أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Paix sur le prophète Mohammed et ses compagnons. Salam alaikum. Je vais parler en anglais. Au début, j'allais parler en arabe, mais je n'ai pas de temps. Et je voulais en fait comparer entre donc l'arabe et l'anglais. Mais donc je dirai quelques points rapidement. Donc rapidement en anglais, quelques mots à la lumière de ce qu'on a entendu aujourd'hui. Ce qu'on a entendu aujourd'hui est très intéressant. Nous sommes venus pour évoquer trois thèmes très intéressants. Le premier étant l'éthique et comment les penseurs l'ont traité. Deuxième, l'art. Et troisièmement, donc, la politique. Et malheureusement, nous n'avons pas eu le temps de prendre des questions. Je pense qu'il y avait plein de questions dans l'audience. Des questions très, très pratiques aussi. C'est simplement l'objectif, l'essence de notre centre. Et ce que nous avons entendu aujourd'hui, cette distance entre les valeurs, l'éthique que nous avons parlé, les maqasid ou les objectifs que nous défendons et ce qui est vraiment sur le terrain. Donc, ce fossé que nous connaissons. Nous avons parlé de nos valeurs et le fossé également au niveau des valeurs que nous avons dans la réalité. Vous l'avez senti, ce fossé aussi. Il y a un fossé aussi entre le cadre théorique et ce que nous devons faire. C'est sur ce front que le centre travaille. Nous ne pouvons pas trouver les réponses toutes en un seul jour, raison pour laquelle nous travaillons avec les penseurs, avec les oulémas, donc de la réalité et des textes, et nous discutons de certaines questions. Nous avions en janvier une conférence sur les bioéthiques ou l'éthique en biologie. C'est ce que nous avons senti aujourd'hui à la lumière de notre discussion. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. 5 points très rapidement, parce que malheureusement, nous n'avons pas le temps, mais je vais simplement résumer ce que j'ai retenu et puis en essayant de traduire la philosophie du centre comme Dr Jassel a dit ce matin. Il faut être très prudent. En arabe, le terme al-akhlaq peut avoir plusieurs sens, comme en anglais ou dans les langues occidentales. On ne parle pas simplement du comportement. Le terme akhlaq qui a été repris donc dans le hadith est très délicat. Lorsqu'on parle de l'éthique, et lorsque le prophète dit quelque chose d'essentiel, le sens de sa mission était le comportement dans le bien, mais non pas seulement le comportement, c'est simplement l'essence de notre religion. Le sens et le cœur de l'islam, il s'agit là de ce que nous évoquons lorsqu'on parle de l'éthique. Donc, lorsqu'on parle d'éthique, on ne parle pas de ce qui est halal et de ce qui est haram. Lorsqu'on parle de l'éthique, on parle donc de l'essence même de notre religion, l'objectif même de notre religion. C'est pourquoi à Chantibi, par exemple, qui a été mentionné à plusieurs reprises aujourd'hui aussi, Cheikh Draz, dans sa thèse de doctorat. Donc, ce livre est très influent. Pourquoi? Parce que ça vient de l'intérieur, donc s'adressant aux musulmans et en même temps donc répondant à l'Occident sans pour autant adresser l'Occident. Donc, il s'adresse aux musulmans, il nous parle à nous. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'akhlaq, de l'éthique, nous nous adressons à l'Occident et non pas à nous-mêmes.
de la façon critique. Donc je pense qu'il faut oublier ce que l'Occident fait ou ne fait pas et poser la question que l'on pose, que parfois l'Occident pose, et comment les musulmans pourraient y contribuer. Donc, lorsque nous avons tenu les premiers séminaires, nous étions 8 à travailler sur un thème très particulier, par exemple au niveau de la bioéthique. Il était clair que parce que nous avions des personnes d'autres religions ou des athées, on leur parlait comme s'ils étaient des musulmans. Ce n'était pas l'objectif du centre. Le centre n'est pas un centre de recherche basé sur la législation islamique. S'adresser à l'Occident, simplement, c'est pour que nous réformions notre façon de faire. Et que ce que le cheikh a dit, cheikh Ben Baya, ce qui répétait quelque chose qui émane de nous-mêmes. Donc, comment on peut traduire tout ceci en réalité? Et nous avons, par exemple, le cheikh Karadawi qui était là. Donc, nous avons besoin d'une vision et nous avons besoin de pousser dans cette direction aussi. Nous avons évoqué l'éthique dans l'art aussi. Et ce qui a été dit, cher Talim l'a dit, il a cité le hadith donc, du prophète. Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'on peut parler de l'éthique humaine. Akhlaq Insaniya en arabe, c'est ce que cher Ibn Ashur disait. Quelque chose qui est vraiment instinctif. Lorsqu'il s'agit de l'art, il faut être très vigilant. On ne peut pas mettre le terme islam partout, mais il faut savoir que l'éthique est partout. Lorsqu'on dit éthique, lorsqu'on trouve l'éthique, on trouvera l'islam. Mais ne venez pas avec le cadre du halal et du haram pour voir comment aborder les questions. Parfois, ce qui est. Vous savez que. Le choix est simplement l'ibaha ou la permission. Ce qui est permis, c'est ce qui est bien. Et ce qui est bien ici, c'est ce qui est permis également dans les choses. L'ibaha, la permission, c'est ce qu'il faut se souvenir. Lorsque ça vient de vous-même, lorsque ça vient de l'humanité, ce n'est pas contre l'islam, c'est de l'islam. Ah non, non, vous savez ce que nous devons faire aujourd'hui, vous savez que nous devons travailler pour arriver à cette approche. Donc c'est une chose qui a trait à notre conception, notre positive et notre relation avec Dieu. C'est ce que je voulais dire, donc pour ce qui est de notre façon d'aborder l'éthique et l'islam et l'éthique. Le troisième point est au niveau de la méthodologie. On évoquait en fait les ateliers ou des conférences avec des oulémas. On s'est dit, est-ce que ça va être efficace? La première fois, cette discussion a trouvé que c'est effectivement très efficace si on passe de la question théorique à la question pratique pour donc pousser les oulémas et même les penseurs qui viennent de l'Occident. Parce que nous avons un problème avec l'Occident. On pense que ce qui vient de l'Occident est scientifique, mais sans idéologie. Mais c'est une idéologie de croire qu'il n'y a pas d'idéologie dans l'utilisation de la science. C'est une idéologie. Lorsqu'on vous dit, par exemple, comment travailler l'organe, certains penseurs vous disent, bon, surtout avec une fatwa, il faut être très vigilant, il faut être très prudent. Notre façon d'aborder la science est problématique parce que c'est démantèlement aussi perd un peu ce parcours clair. Cheikh Raisouni, à un moment, je me souviens, dans la discussion en janvier, a dit... J'ai une question. Qu'est-ce que c'est que la médecine? Qu'est-ce que c'est que la médecine en top? Parce qu'en fin de compte, nous poussons vers quelque chose qui est une ségrégation, une catégorisation de la connaissance. Donc, vous arrivez avec une fatwa et vous oubliez le parcours. Donc, nous arrivons avec une fatwa sur des cas très particuliers, mais c'est une fatwa qui évoque quelque chose qui nous fait oublier le cadre plus général. Donc, nous défions et les penseurs et les oulémas. Et je pense que c'est quelque chose que nous devons travailler.
C'est ce que nous avons compris. Donc, avec ce centre et ce qu'on fait avec Dr. Jasser et l'équipe, ce n'est pas d'arriver à quelque chose donc, pour déterminer ce qui est halal et ce qui est haram. Je pense qu'il s'agit là de questions qu'il faut poser. Aujourd'hui, on a appris comment faire les choses. Comment... Bon, nous avons entendu les praticiens, les artistes, qui disaient il faut être vigilant. Si vous ne mettez pas aujourd'hui une approche constructive venant des esprits musulmans, donc n'arrêtez pas les gens au niveau de leur créativité, ne leur interdisez pas la production ou la créativité, permettez-leur d'être en contact avec les gens, n'arrêtez pas tout ça et ne qualifiez pas de haram les sensations et les émotions, sinon on risque d'être vraiment déconnecté. Vous avez donc écouté ce qui a été dit aujourd'hui au niveau de la corruption et je pense que le défi majeur dans le monde musulman est la corruption. Maintenant, on peut dire que ça vient des rois, des présidents ou des princes, mais en fin de compte, c'est notre vie de tous les jours. C'est que la corruption est partout et donc arrivons à l'application réelle de l'éthique dans la façon avec laquelle nous parlons à nous-mêmes. L'art est très important et puis nous arrivons à la politique. Lorsque nous écoutons par exemple le discours de Gandhi, on ne sera pas d'accord sur la catégorisation, mais il a dit quelque chose de très important. En fin de compte, musulmans ou pas, si nous ne comprenons pas la politique, Gandhi a demandé dès le début, ou posé la question, quel est l'objectif de la politique? Donc l'objectif, c'est une question que nous devons discuter également et donc arriver à des réponses pratiques. J'espère que dans le futur, c'est ce genre de conférence la voie donc pour débattre de ces questions. Maintenant, on sait qu'il y a plein de questions et avant la fin ou donc la conclusion, Youssef Islam m'a dit que Dieu t'aide parce qu'il voit le fossé entre les idéaux et la pratique, mais on va continuer ce travail. Je voulais simplement dire quelques mots. On remercie très souvent tous les gens vraiment et le haut de la pyramide, mais je voudrais remercier les soldats inconnus. Tout d'abord, l'équipe, Dr. Jasser, bien sûr, Mawaheb, Fatima Zahra, Shawki Bedia, Zainab, Yumna et Asem. Je vous remercie. Enfin, tous les membres de notre équipe qui ont travaillé vraiment d'arrache-pied pendant les quelques jours, semaines et mois. Je voudrais également remercier notre comité représenté par une seule personne, mais il y a également donc la diffusion sur Internet. Je remercie ce comité, Marwa, Aïd et QMDI aussi. Et je remercie donc tous les soldats inconnus en fin de compte et à la fin de cette journée. On peut dire que sans eux, cette conférence n'aurait pas eu lieu. Et en termes d'éthique, comment sont par ceux qui sont inconnus. Je vous remercie.